Live. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va visiter la maison de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, c'est une peintre et sculptrice française du 20e siècle. 19e siècle. 19e siècle. Peintre et sculptrice française du 19e siècle. Et on vous emmène avec nous pour cette journée totalement inédite. Rosa Bonheur, c'est une peintre essentiellement animalière, donc c'est-à-dire qu'elle peignait des portraits d'animaux, que ce soit des animaux de chasse ou des animaux domestiques. C'est aussi une des figures queer les plus emblématiques du 19e. C'est pour ça qu'aujourd'hui on l'apprécie énormément, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans la petite ville de Thomery. Rosa était effectivement fan de ces animaux. Elle les adorait à tel point qu'elle les a empaillés dans sa maison. Tous ces animaux qu'elle a voulu immortaliser pour toujours. Il y a Coco le perroquet et Kiki le sanglier et Margot la jument. Il y avait aussi un alligator qui vivait au fond du jardin. Il fallait pas qu'il mange les moutons. Des chiens sculptés sur la cheminée. Oh Rosa, 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 quel joli atelier. Bravo Rosa, tu adorais les chiens. Rosa, bravo Rosa, tu étais peut-être une folle aux chiens comme moi. Rosa, Rosa, tu peignais des moutons, mais aussi des lions. Tu avais d'ailleurs 3 lions dans ta maison. Il y avait Fatma qui est un tapis aujourd'hui, et aussi Néron et Sarah, un couple qui sont repartis. Sarah et Néron, les lions. Tu as aussi beaucoup de sculptures d'animaux, pas que des peintures, Rosa. Aussi des sculptures de chiens, de chats, de chevaux. Ton chien préféré, c'est Gamine, aussi appelé Charlie. Tu as gardé ses poils dans des sachets. Rosa, nous sommes de folles aux chiens, des folles aux chiens. Rosa, 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 dans ton jardin. Rosa, c'est l'heure du pique-nique, la visite est finie,
il fait beau et les chiens sont mignons. Le saviez-vous, sur la représentation picturale de Rosa Bonheur, on la voit porter un pantalon. Or, à l'époque, le port du pantalon n'était pas autorisé pour les femmes. Il fallait donc tous les 6 mois que Rosa fasse une demande. Cette demande s'appelait un permis de travestissement. Il fallait qu'elle prouve qu'elle avait vraiment besoin de ce pantalon. Et il fallait ensuite qu'elle passe un examen médical pour prouver que sa santé mentale allait bien. En tout cas, il ne faisait pas bon être une femme à cette époque. C'est au cœur de la forêt de Fontainebleau que se finit notre expédition dans la maison de Rosa Bonheur. C'était une expérience sublime, nous avons découvert son atelier. Je tiens à faire une petite précision sur ce que j'ai dit précédemment sur le fait que Rosa Bonheur soit une figure queer lesbienne. Apparemment, comme on nous a dit pendant la visite, Nathalie était surtout sa meilleure amie, sa confidente et sa colocataire pendant plus de 50 ans. Mais toute relation n'a jamais été confirmée. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous citer une phrase que Rosa a prononcée en parlant de Nathalie. Si elle avait été un homme, je l'aurais épousée. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça tourne. Mais faut que tu parles.